C'est bientôt la Saint-Valentin, donc il fallait absolument que je vous tourne une vidéo dédiée à ça. En plus de ça, j'ai réalisé une première pose chablon, donc vous allez voir comment je fais et quels produits j'utilise. Et regardez-moi cette satisfaction. Installez-vous confortablement, je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est parti! Avant de commencer, je vais vous présenter sa plaque. Donc, on peut voir que sa plaque est quand même assez large et courte et que sa plaque naturelle est quand même assez abîmée. On change pas une équipe qui gagne et comme d'habitude, je vais commencer par les cuticules. Donc, je commence par venir les décoller délicatement avec un petit bâtonnet de buis. Ça me permet de les décoller beaucoup plus efficacement. Je sais pas si c'est français. Et ensuite, je vais venir passer à mon embout-flamme. Donc ici, j'ai pris un grain bleu. C'est très rare que je prenne un grain bleu. Et je vais commencer par faire le côté gauche. Donc, c'est un embout qui se trouve sur le site Fresnay Shop. Je vais tout vous mettre les liens en barre d'informations. Et ensuite, je fais exactement la même chose, sauf que je vais venir inverser le sens de rotation de ma bronzeuse. Ça me permet de faire le côté droit et le côté gauche parfaitement. Ensuite, comme toujours, après mon embout flamme, je vais venir utiliser mon embout tulipe à grains rouges. Donc j'aime beaucoup peaufiner avec ce style d'embout là. Ça me permet vraiment d'écarter encore plus la cuticule et de vraiment venir peaufiner surtout les côtés de l'ongle grâce au corps, vous voyez, de l'embout qui est quand même assez gros. Et ensuite, je fais de l'autre côté en inversant le sens de rotation de ma ponceuse. Alors ici, je trouvais que sur les côtés, il y avait un petit peu trop de peau, même en dessous de la cuticule, j'avais des petites peaux qui me dérangeaient. Donc j'ai pris un embout flamme à grains jaunes très très fin et j'aime beaucoup utiliser ça, vous voyez, pour vraiment venir en dessous de la cutie et décoller ce qui me dérange. Regardez cette petite peau là qui me gênait, je l'ai fini avec mon repousse cuticule et c'est parti tout seul. Alors ici vous allez rire, mais je vais utiliser un embout qui est dédié pour les dentistes. J'ai vu ça sur TikTok, c'était une américaine je crois, j'ai plus du tout le TikTok et en fait j'ai vu qu'elle utilisait ça juste avant de couper les cuticules. Elle passe ce petit embout là et en fait ça permet vraiment de la soulever encore plus parce que c'est des poils rigides et en plus de ça de bien dépoussiérer. Alors je l'ai acheté pour je sais plus 3-4 euros et j'avais un lot de 20. Voilà, c'est vraiment un truc bidon, ça passe nickel dans la ponceuse, donc écoutez, j'ai testé, je valide, bon, c'est pas indispensable, mais bon, c'était rigolo et je voulais vous le présenter parce que c'est original. Donc voici ce que ça donne une fois que j'ai passé le petit embout là, spécial dentiste, on peut voir que les cuticules se sont encore plus relevées et que ça a bien dépoussiéré, donc je suis plutôt contente. Là, je repasse mon repousse cuticule pour encore plus la soulever, vous savez, moi j'adore, hein, toujours repousser, repousser, et ensuite je viens couper la cuticule, donc la peau morte. Je vous avoue que mon modèle n'avait pas des cuticules très faciles à faire parce qu'en fait c'était très sèche, très collée, elle était pas très profonde non plus je trouve. Donc c'est pour ça que des fois vous me voyez un petit peu galérer à couper. Donc ensuite je vais venir passer mon embout tonneau, donc celui-ci vous pouvez le trouver sur mon site naisfrs.fr. Donc ici je viens passer sur toute la cuticule pour l'arrondir, enlever les petites peaux mortes et surtout pour venir la peaufiner. Et si vous me demandez, je mets ma ponceuse à 6000 tours quand je fais les cuticules et quand je passe mon embout tonneau. Et vous voyez ici, avec le corps de mon embout, je peux bien venir lisser une grande partie de la peau. Vous voyez, quand je passe sur la cutie, ensuite j'aime bien passer au-dessus de la cuticule pour vraiment venir enlever les peaux mortes, même sur les côtés de l'ongle aussi. Ensuite, une fois que j'ai terminé l'étape des cuticules, je vais venir matifier la plaque de l'ongle. Donc je prends mes Emery grain 240, donc c'est un grain doux, et je vais venir passer sur la plaque de mon ongle. Et vous allez voir justement que la plaque est creusée. Quand je vais passer mon Emery, il y aura des creux en fait. Quand je passe, la plaque ne sera pas totalement matifiée là où il y a des creux. Et si vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a des creux, en fait elle avait fait une dépose elle-même et c'est sa mauvaise main, donc elle a eu un peu de mal. Moi c'est pareil, si je fais ma dépose sur ma mauvaise main, je me creuse, donc c'est pour ça que je le fais pas. Donc voilà, je passe en Emery pour ouvrir les écailles de mon ongle pour justement permettre à la base de bien adhérer correctement sur la plaque. Si vous ne faites pas ça, l'écaille de l'ongle sera fermée et vous allez avoir des décollements. Vu que je vais faire une première pose, je vais venir raccourcir l'ongle naturel pour pouvoir positionner mon chablon. Donc je prends la lime fine de chez NaïsFRS et je viens passer sur tous mes ongles. Je raccourcis tout, voilà, sans exception. J'applique mon eye prep, donc ici c'est un eye prep de chez Eliamage. D'habitude j'utilise mon pinceau aquarelle, mais je me suis dit que j'allais le tester parce que dans les vidéos je veux tester d'autres produits aussi pour que vous puissiez voir
d'autres marques. Et je vous avoue qu'en fait, je préfère quand même mon petit pinceau aquarelle avec mon déshydratant flacon pompe. Vu que je vais venir utiliser un gel blanc, je vais venir mettre ma base de chez Purple, le Milky White, en très fine couche et blanc justement pour que ça rappelle un peu le gel. Voilà, c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre une base qui est clear, ça ne change rien. Surtout que moi, mon gel de construction, il est très milky opaque, donc en fait, la base, on la verra pas, mais bon, c'est psychologique. Je vais venir utiliser les nouveaux chablons de chez Purple. Je vous mets le lien en barre d'infos, j'ai plus la ref en tête comme ça. Mais en fait, je les aime beaucoup parce qu'ils sont très incurvés, donc je n'ai pas de découpe à faire pour les ongles qui sont déjà arrondis. Des fois, je dois faire des découpes, mais je veux dire, je gagne du temps. Comme ici, je n'ai pas eu de découpe à faire. Je fais simplement les découpes sur le côté de l'ongle pour que justement la forme soit à la forme de l'ongle et non du doigt. Surtout que vous allez voir sur ce modèle là, j'ai toujours du mal à faire du chablon parce que je dois toujours pincher parce que sa plaque est trop large. Vous allez voir, vous allez comprendre après. Voici le gel que je vais venir utiliser. Donc c'est le Milky Solid Fiber. Donc c'est un nouveau gel qu'on a mis en ligne sur le site. Et c'est un gel très résistant grâce à ses morceaux de fibres. Mais surtout qu'il est blanc, bien opaque. Et en plus de ça, il est auto-égalisant, donc parfait. D'ailleurs, tous les Solid Fiber, vous pouvez les utiliser en technique sans l'image. Vous allez voir, ils sont incroyables. Donc ici, j'ai replacé mon chablon parce qu'il rebiquait un peu. Ça m'énerve. Donc j'ai pris mon repousse cuticule et hop, je l'ai bien recalé sous mon ongle. Donc ici, j'ai fait mon extension et je vais seulement catalyser 20 secondes et je vais venir pincher. Donc pourquoi, comme je vous disais, sa plaque elle est large, donc j'ai toujours du mal à avoir une belle forme fine, donc dès que je fais un carré, une amande, je suis obligée de pincher. Voilà, c'est psychologique, j'ai beau bien serrer mon chablon, tout ça, je trouve que pincher c'est pas mal quand même. Donc ensuite j'ai recatalysé et là je vais venir retirer le chablon. Donc quand c'est fort en ces curves comme ça, c'est un peu difficile de retirer, mais ça se retire quand même assez bien. Je fais la même chose sur mon autre doigt, donc je fais doigt par doigt. Alors comme ça, vu que c'est du blanc très opaque, c'est pas très bon, on dirait une dent. Mais voilà, je fais juste mon rallongement, je m'assure de bien mettre de la matière sur mes points de stress, très important. Je catalyse seulement 20 secondes, je pinche bien. Donc je mets ma pince à pincher là où j'aimerais que justement la forme se serre un petit peu plus. Et ensuite, je vais recuire 60 secondes sous la lampe, histoire que le gel se fige bien et catalyse bien. Et surtout pour qu'il regarde cette belle forme que j'ai pinché juste avant. Et une fois que tout est bien catalysé, je viens retirer mon chablon délicatement. Vous voyez, c'est un petit peu galère à chaque fois, mais ça va. Ensuite, je vais venir faire ma construction. Donc, je vais venir appliquer une fine couche de lissage et je vais venir ajouter une boule de matière et je vais venir la faire glisser de droite à gauche pour justement que la matière soit bien mise partout. Et ensuite, j'étire le gel tout le long de mon ongle. Donc, je vais venir ensuite prendre mon pinceau liner pour m'aider justement à diriger la matière pour éviter les creux, les bosses, tout ça. Vu que c'est une matière qui se auto-égalise facilement. Comme je vous disais, vous pouvez faire du sans l'image avec sans problème. Et c'est un pinceau liner de chez Nessiferès, c'est le 1-2. Je fais attention de bien catalyser doigt par doigt et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je mets ma couche de lissage, là je vous l'ai mis en accéléré, et ensuite je viens étirer la matière sur tout le long de mon ongle. Aussi avec ce style de gel, n'hésitez pas à retourner votre doigt, ça va vous aider à bien diriger la matière là où il le faut. Et regardez, le gel s'est placé tout seul, c'est que du bonheur ce style de gel là. Et regardez, j'ai pas de creux, j'ai pas de bosse, c'est tout lisse. Bien sûr il y a du limage, mais pas autant que si j'avais utilisé justement un gel qui était très épais. Nous pouvons voir ce magnifique ces curves. Bon là ça ressemble à rien, faut vraiment que je fasse la forme, mais c'est déjà mignon comme ça. Donc je prends mes cotons, je viens dégraisser parce que je vais passer au limage, donc c'est très important de dégraisser. Si vous faites pas, il y aura des petites boulettes en fait du résidu collant qui va se mettre dans votre lime et ça va être très désagréable. Je viens prendre ma lime Clow et je vais commencer par faire ma forme. Donc je fais d'abord ma forme face à moi, donc je fais mon amande, je fais tous les doigts et tout ce qui est au-dessus, en dessous, je m'en occupe après. Pour l'instant, le plus important, c'est que je fasse la forme. Ensuite, je viens prendre le même embout émeri que tout à l'heure. Je viens en fait limer l'excédent de gel que j'ai pas envie de limer justement avec ma lime. Ça me permet de gagner du temps justement quand je vais peaufiner avec ma lime juste après. Et je fais ça donc sur tous mes doigts. Vraiment, je regarde mon ongle de profil, c'est très important pour éviter de trop limer et pour éviter d'enlever mon apex. Une fois que cette étape est faite, là je viens peaufiner avec ma lime donc sur le dessus de mon ongle. Donc vous voyez les petites ailettes là, je m'en occupe à la fin en
en dernier. Là, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est de profil et de face. Ensuite, je vais venir prendre ma lime fine. Je vais d'abord limer droit. Donc, j'enlève mes petites ailettes, je lime droit. Et ensuite, je vais venir remonter délicatement pour faire justement ce beau C-curve que l'amande pourrait donner. Une fois que j'ai terminé, je vais venir passer un petit coup de cleaner pour enlever l'excédent de poussière. Et avec un petit pinceau comme ça, je viens bien frotter. On va commencer par la déco avec les petits cœurs. Donc, je vous explique. Je vais venir utiliser mon gel clear qui est clairement bien épais comme ça, bien transparent, on dirait du pudding. Et des petits cœurs que j'ai trouvés sur AliExpress. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Je laisse dans le petit si vous voulez. Je l'avais fait, je crois, il y a 2 ans pour la Saint-Valentin aussi. Donc c'est parti. Je voulais en fait incruster mes petits cœurs par-dessus le gel blanc. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma construction et je vais refaire un petit schmilblick comme ça par-dessus. Et d'ailleurs, j'ai bien limé juste avant ma construction pour qu'elle soit pas trop épaisse parce que je savais que j'allais rajouter du clair par-dessus. Donc pour faire tenir mes cœurs, j'ai mis une petite couche de lissage et je viens les placer justement avec mon pinceau gel brush 2. Et je viens mettre les petits cœurs comme ça un petit peu à la diagonale. Voilà, je les place en fonction de mes envies. J'ai voulu les catalyser avec cette petite lampe, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Mais vas-y frère, ça n'a pas marché. Alors moi je me demande si c'est parce que j'ai pas assez catalysé ou alors c'est parce que je dois changer les piles de ma lampe. Donc du coup j'ai un peu abandonné et pourquoi j'ai utilisé cette lampe là? Pour éviter que les petits cœurs y rebiquent. Mais quand j'ai fait ça en plus les cœurs ils avaient bougé, enfin bref c'est une catastrophe. Donc c'est pas grave, j'ai mis des petits cœurs comme ça, je les ai replacés. Et au final ça a été après, ils rebiquaient pas trop. Donc écoute, tant mieux. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fait ça sur les deux doigts du milieu. J'ai catalysé histoire que les cœurs soient figés. Et ensuite j'ai pris le même gel clear. Et je vais légèrement faire un mini gainage par dessus les cœurs. Pour que justement ça soit vraiment incrusté. Qu'on ne sente pas les petits cœurs qui rebiquent. Parce que si vous laissez les petits cœurs qui rebiquent, déjà ça va partir, ça va pas être beau, ça va être désagréable. Et puis c'est pas satisfaisant. Et vous voyez comment ce gel est trop cool à travailler pour faire les incrustations. Je l'adore, c'est pour ça que je l'ai sorti en fait, pour justement les incrustations. Donc j'ai bien catalysé, je dégraisse. Et là en fait je vais pas passer ma lime, je vais passer simplement mon buffer. Voilà, parce qu'il n'y avait pas vraiment grand chose à limer. Je voulais juste lisser et affiner du mieux que je pouvais mon ongle. En plus, ce buffer là, il est très granuleux, vous voyez, c'est pas un grain fin. Donc en fait, il buff tout en limant. Je sais pas si vous l'avez, vous devez comprendre ce que je dis. Donc voici ce que ça donne une fois que j'ai buffé les deux ongles. Donc je viens repasser un petit coup de cleaner avec mon pinceau aquarelle pour justement enlever les derniers petits résidus de poussière. Et je vais venir prendre la couleur Amour. Ça suit très bien pour la Saint-Valentin. Donc c'est une des couleurs qui est sortie pour la Saint-Valentin sur notre site internet. Je vais le mettre sur le petit doigt. Avant de le mettre, je repousse ma cutie. Je viens bien l'étirer. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. C'est vraiment un rouge profond pailleté, vous voyez. Je catalyse et j'applique ma deuxième couche. Et bien sûr avec mon pinceau 1-2 liner, je viens me rapprocher un maximum des cuticules. Ensuite, une fois que j'ai mis mes deux couches et que j'ai bien catalysé, je vais passer à la couleur rubis sur l'index, qui est vraiment un très joli rouge aussi, parfait pour la Saint-Valentin. Et regardez-moi ça quand j'applique. Oh, c'est crémeux, opaque, j'adore. Je viens appliquer ma fine couche sur tout mon ongle. Bien sûr, après, vous n'allez pas le voir, mais je peaufine avec mon pinceau liner. Très important, si vous voulez vraiment avoir un résultat nickel pour vous rapprocher un maximum des cuticules, j'hésite pas à étirer la matière s'il le faut. Parce que de nos jours, les couleurs sont de plus en plus pigmentées, donc il faut vraiment mettre des couches fines si vous voulez que ça catalyse bien. Une fois que j'ai mis mes deux couches, je vais venir mettre mon top coat Glossy Touch par-dessus, donc sur mes 4 doigts. Vous allez voir, c'est trop satisfaisant quand je le mets sur les petits cœurs. Donc je vais appliquer une bonne couche, je viens avec mon pinceau liner m'approcher aussi des cuticules, même si c'est que le top coat. Je fais attention à mon reflet de lumière, je retourne le doigt s'il le faut et je catalyse. Je mets mon top coat doigt par doigt, avec mon pinceau liner je viens me rapprocher un max des cuticules aussi, je catalyse. Puis écoutez, après je vais utiliser un petit embout comme ça en silicone avec de l'huile pour justement hydrater un max des cuticules parce que comme je vous disais elles sont sèches et je vous montre le résultat. Et voilà, la vidéo Saint-Valentin est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes plutôt rouge ou rose pour la Saint-Valentin. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!